السلام عليكم. دونك اليوم عندنا ام سي 33 باش نعملوا له ريزيت و ابديت. دونك فوالا باش نشوفوا هو اكطويلمون وين محطوط. دونك اكطويلمون نشوفوا البارامتر سيستيم فوالا اكطويلمون دونك اكطويلمون نيميرو دو بولت عندنا U 00. Voilà. Donc actuellement, on a notre l'internet, il y a notre le mot quant à Zebra, comme vous voyez ici, même chez l'Oreo, voilà, Naka, actuellement, fait le 20. Donc, je télécharge celui-là, 736 mégas. Et on va faire la mise à jour. Mais, on a la full image. C'est la full image, yani 00. Nous avons la même 00. Mais, on a la 01. C'est la mandatory patch. C'est un patch obligatoire. Donc, on doit passer par là avant tout. On passe par là. Et après, on passe le 20. On passe ici, le 20. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, on s'accroue, on ferme, éteindre. D'accord. Donc, on attend un peu. Donc, il y a une carte mémoire, un site à la fuse, mais supposons qu'il y a une carte mémoire, on va la mettre en fuse. Donc, voilà. La carte mémoire, donc, normalement, je vais mettre la carte mémoire. Comme ça. Voilà, juste la carte mémoire. Voilà, et on place la carte mémoire, voilà. Et on glisse en bas et on remet la batterie, d'accord. Donc tawa, on appuie ici, puis ici, et on maintient. Voilà, je lâche. Et je reste ici, j'appuie. En attendant. Voilà. Là, on va faire update. Dans une autre vidéo, on a fait downgrade. Là, on va faire update. Donc, update from SD card. Enter. Je choisis mon chemin. Voilà. Donc, c'est pas bien clair, je crois. Mais je sais pas pourquoi. Voilà. Donc ici, je choisis MC330, MC3300, d'accord. Voilà. Donc, si on a besoin seulement de, par exemple, faire une reset. Juste reset. Yani, on va tout effacer pour remettre à zéro. Sans rien changer. Voilà. Sans rien changer de la, version actuelle. Voilà. On fait entrer, on choisit. La mise à jour, on choisit la, reset, et on appuie sur, entrée. Là actuellement c'est voilà, erasing modem ST2, ST1, formatting entreprise partition, formatting data partition, voilà. Donc il a formaté la partie du data de l'utilisateur, il a aussi formaté la partie entreprise. Donc tout a été formaté là.
Mais là, par exemple, nous, on a besoin de faire une mise à jour. Donc ici, from SD card, entrée, on choisit notre chemin. Voilà. Et là, comme on a dit tout à l'heure, le U01, c'est un patch obligatoire. Donc, on doit passer par là. On doit le faire au début. Voilà, ça passe vite. C'est seulement 63 mégas. Voilà. Ça passe vite. Voilà. Actuellement, on a passé au 01, U01. Et puis, on passe au dernier, qui est le U20. Donc, le U20, il est où? Voilà, c'est le premier, c'est celui-là. Donc, voilà, on choisit. Voilà. Ça, c'est 700 mégas. Ça va prendre un peu de temps. Donc, je vais mettre pause. Et en attendant. Donc, presque, il a terminé. Voilà. Il a tout terminé ici. Voilà. Reboot now. On va choisir. Entrée. Voilà. Il va redémarrer. Ça va prendre un peu de temps. Donc, je mets pause jusqu'à ce qu'il termine le démarrage. Donc voilà, Tawa vient de terminer. On va choisir la langue. Commencer. Voilà. J'ai pas besoin de configuration Wi-Fi actuellement. Le mot de passe, tout à l'heure, on va le paramétrer. Voilà. On va voir. Paramètres. Système. À propos du téléphone. Voilà. Voilà. Numéro du bulletin. L'instant. Voilà. C'est le U20. Donc là, on a fait la mise à jour. Merci.